Bonsoir, mesdames, messieurs. Un projet de réinsertion sociale bien spécial a vu le jour l'an dernier à Gatineau. Il s'agit de fournir aux personnes fragilisées l'opportunité de perdre leurs repères lors d'un voyage à l'étranger. On en parle avec Sophia Begaoui. Sophia, il s'agit de la deuxième année pour ce projet-là. Effectivement, Daniel, le projet se répète encore une fois cette année, mais cette fois-ci, le voyage se fera au Maroc. Le voyage de l'année dernière à Cuba avait permis à une dizaine de personnes dans le besoin d'améliorer leur estime de soi et d'être véritablement changées par cette expérience de voyage. La consultante en réinsertion sociale Nancy Martineau sélectionne encore une fois cette année des gens issus de milieux défavorisés ou qui ont des antécédents avec l'alcool ou les drogues. La philosophie du projet, faire perdre les repères aux participants pour qu'ils puissent voir les choses d'un œil différent et pour pouvoir mieux aligner leur vie. Les participants ont un an pour amasser 1 000 $ par le biais d'économies personnelles ou de campagnes de financement. Le projet a également été critiqué par certains travailleurs qui disent qu'eux-mêmes n'ont pas le luxe de faire ce genre de voyage. Pourtant, on a constaté chez les participants de l'année dernière que leur estime de soi s'est vraiment améliorée. D'ailleurs, 3 de ces participants-là sont retournés sur le marché du travail ou sont retournés aux études. La preuve que le dépaysement est une excellente école de vie. Sophia Begaoui à Gatineau, merci. Je vous en prie.